Travailleuse, travailleur. Poétesse, poète. Régisseuse, régisseur. Technicienne, technicien. Médiatrice, médiateur. Photographe. Autrice. Vidéaste. Illustrateur, illustratrice. Animatrice, animateur. Journaliste. Commissaire. Web designer. Comédienne, comédien. Stagiaire, regardeuse. Théoricienne, théoricien. Glandeuse, glandeur. Étudiante, étudiant. Programmatrice, programmateur. Performeuse, performeur. Coordinatrice, coordinateur. Plasticienne, plasticien. Gardienne, tous. Danseuse, danseur. Régisseuse, installateur, autrice. Chercheuse, chercheur. Travailleuse. Compositrice, compositeur. Web designeuse. Professeur. Tous unis. Tous unis. Fonctionnaire. Travailleuse. Agente, agent. Autrice, journaliste. Transporteuse, transporteur. Plasticienne, plasticien. Agente d'entretien, agent d'entretien. Chercheuse, chercheur. Directrice, directeur. Professeur, chômeur. Chargée de projet. Freelance graphiste, étudiante. Stagiaire, regardeuse. Installatrice, médiateur. Programmatrice, programmateur. Travailleur, travailleuse. Productrice, producteur. Illustratrice, journaliste. Traductrice, traducteur. Fonctionnaire, agente de sécurité. Coordinatrice, coordinateur. Transporteuse contractuelle, agente d'entretien. Diffuseuse, diffuseur. Tous unis. Gardienne. Médiatrice. Travailleuse, travailleur. Autrice. Glandeuse, glandeur. Illustratrice. Régisseuse, régisseur. Journaliste. Installatrice, installateur. Étudiante. Médiatrice, médiateur. Stagiaire. Autrice, auteur. Performeuse. Illustratrice, illustrateur. Danseuse. Journaliste. Écrivaine. Web designeuse, web designer. Critique. Tous. Unis. Poétesse, poète. Graphiste. Technicienne, technicien. Critique. Photographe. Étudiante. Vidéaste. Stagiaire. Animateur, animatrice. Programmateur, programmatrice. Commissaire. Traductrice. Comédienne, comédien. Diffuseur, diffuseuse. Théoricienne, théoricien. Gardienne, stagiaire. Tous. Unis. Glandeur, glandeuse. Étudiante, étudiant. Régisseuse, installatrice. Performeuse, performeur. Autrice, illustratrice, journaliste. Plasticienne, plasticien. Danseuse, danseur. Installateur, travailleur, glandeur. Chercheuse, chercheur, compositeur, compositrice. Étudiant, performeur, plasticienne, danseuse. Professeuse, professeur, écrivaine, écrivain. Critique. Chômeuse. Poétesse. Graphiste freelance. Animatrice. Fonctionnaire. Comédienne. Agente de sécurité. Théoricienne. Transporteur contractuel. Vidéaste. Agente d'entretien. Photographe, poète. Directrice, directeur, chargée de projet. Étudiante, poétesse. Stagiaire, regardeuse. Danseuse, autrice, chercheuse. Programmatrice, programmateur. Chômeuse, professeur, plasticienne. Productrice, producteur. Tous unis. Travailleuse, travailleur. Étudiante, performeur. Glandeuse, glandeur. Stagiaire, traducteur. Régisseuse, régisseur. Coordinatrice, gardienne. Installatrice, installateur. Glandeuse, travailleuse. Autrice, illustratrice. Tous unis. Unis. Poétesse, poète. J'ai envie de suivre un fil qui devient obsédant. Je veux vous parler de trois hommes 3 immolés. Un dans la fiction, un dans la réalité que j'ai retrouvée dans la fiction, un dans la réalité qui est toujours dans le coma. Ça s'est passé en 1983, 2011, 2019. Le premier est un fou en Italie. Il s'appelait Domenico. C'est celui qui m'a appris à sentir sans peur. Il disait, avant de brûler, être incapable de vivre en même temps dans sa tête et dans son corps, que c'était la raison pour laquelle il ne pouvait être une seule personne. Se sentir une multitude, constamment, sans peur. Seulement tout écouter, surtout ce qui semble inutile. Les canalisations, les murs, l'asphalte, la paperasse, le bourdonnement des insectes. Mais surtout, ce qu'il dit, c'est que quelqu'un doit crier. Quelqu'un doit crier « Nous bâtirons des pyramides, et ce n'est pas grave si nous ne les bâtissons pas. » Je ne savais pas qu'il allait brûler, se brûler lui-même. Depuis, il y a quelque chose de mon œil qui conserve la forme flamme de son corps. Le deuxième est un vendeur ambulant tunisien à qui la police avait confisqué ses outils de travail. Il s'appelait Mohamed. Sa sœur dit que la police l'avait giflé ce jour-là, avait refusé de lui rendre ses marchandises. La presse dit qu'il a été bousculé. Il a essayé de se plaindre à la municipalité, personne n'a écouté. Il est mort en 2 semaines. Peut-être que si Domenico, ce fou italien là, avait travaillé dans l'administration tunisienne, il aurait écouté. Je ne sais pas exactement ce que je veux vous dire en rassemblant ces 2 hommes et bientôt 3. J'ai seulement la sensation qu'ils se superposent et qu'ils ont ensemble quelque chose à tenir. Mohamed, qui préférait mourir plutôt que de vivre dans la misère, a déclenché une révolution. Le troisième, que j'essaye désespérément d'écouter, s'appelle Anas. C'est un étudiant en sciences politiques, il est anarchiste, il est français. Il vivait avec 450 € par mois, et après, plus rien du tout. On lui a refusé l'aide dont il avait besoin pour se nourrir, pour étudier, pour acheter des livres, pour se déplacer. Son corps est brûlé à 90%. De ce que je trouve, en épluchant les articles de presse ou les témoignages, je comprends que malgré sa précarité, malgré les incertitudes dans lesquelles on le plongeait, il écoutait, il agissait. Même en brûlant, il écoutait. Il avait 14 ans quand Mohamed est mort, mais je suis sûre qu'une partie de lui, même sans le savoir, était dans les rues tunisiennes en 2011. Si nos peuples avaient la même force que ces 3 hommes réunis, si l'on était capable d'entendre leurs mots, d'écouter la chair brûlée d'Anas qui tente en ce moment de vivre, d'entendre les cellules qui s'activent pour pouvoir écouter à nouveau, soutenir à nouveau, ce ne seraient ni les corps précaires, ni les forêts qui brûleraient. Bonjour, ça marche. Comme vous le savez peut-être, à 14h, on a fait une permanence d'écriture. On vous a posé certaines questions et on a simplement retranscrit vos réponses. Donc, c'est ces réponses-là qu'on va vous lire maintenant. Surtout aussi, on tient à vous dire que si à un moment, il y a une des questions qui a été évoquée, qui vous interpelle, ou que vous souhaitez prendre la parole sur ce que vous évoque, les fractions ou sur... les sujets qui vont être évoqués ci-dessous, c'est possible. Demandez-nous si vous avez envie d'intervenir à un moment ou de nous faire partager une pensée ou une réflexion autour de ça. Au contraire, vous y êtes fortement invités si vous avez envie. Voilà, merci. Je vais commencer. Je vais commencer par... où tu veux ? On dit pas la question. Ok. On dit une partie, ensuite on enchaîne avec une partie. Dès qu'il y en a qui fait un blanc, on enchaîne. Ça me va. Mais du coup, vous avez des micros. Il y a celui qui est là. retransforme ça en littérature. J'ai plusieurs effractions, je voudrais être dans la bonne. J'en ai commis des effractions dans ma vie. Il se gratte le front, les doigts bougent alors qu'il réfléchit. Son béret gris va vers l'arrière. Bon. Il y a les petites effractions. Il y a les grandes. Il y a le tourniquet dans le métro qu'on passe. Je voudrais juste livrer ça comme ça. Cela va. J'étais dans le métro à Denfert-Rochereau. C'était pas la sortie principale, c'était l'époque des cartes oranges. Il y a une vingtaine d'années. Je vois un homme. Il avait l'air d'attendre près des portes de la sortie. Je la pousse alors pour qu'il entre. Sans littérature, j'aurais pas de vie. Il n'y aurait pas de vie au sens large, j'aurais pas ma vie d'aujourd'hui. Mais c'est peut-être maso, mais je la laisse faire, effraction quand elle veut. Quoi dire d'autre? La littérature, c'est toute une forme de narration, audio, journal. Et cet homme, c'était un contrôleur. Ça, c'était une petite effraction. Dans les transports en commun aussi, j'avais travaillé en prison, voilà, par la parole, avec des détenus qui étaient censés. Enfin, quelques temps après, je trouve dans un train de banlieue, je croise un ancien détenu. D'un seul coup, je vois le gars qui dit « mince ». Je ne sais pas, moi, ce qu'on entend par effraction. Effraction par rapport à la loi ou par rapport à qui on est d'habitude. Des effractions au sens littéral, j'en fais rarement. J'en ai fait dans les transports en commun, mais je ne le fais plus. Je ne sais pas, moi, ce que ça dit de mes propres limites, des petits écarts qu'on fait en dehors de qui on croit être. De moi, comment dire ? J'ai eu une journée plutôt sage, enfin. Mais aujourd'hui, c'est un peu bizarre. Mais aujourd'hui, j'ai... Comment dire ce que ça dit de mes propres limites ? C'est curieux, parce que j'aime énormément lire, mais je ne peux pas l'utiliser pour m'évader. C'est un peu la vie qui m'évade, de passer du temps à lire, et du coup, je ne sais pas. Il y a tous les types de littérature qui peuvent faire effraction pour moi. Je vois le gars qui dit « mince ». Il était peut-être en sursis, en rémission, je ne sais plus les mots. Mais aujourd'hui, c'est inhabituel et c'est un peu bizarre. Et d'habitude, j'écourte, mais là... D'habitude, il m'agace, je les coupe. Je suis distante, en fait, je déjoue le jeu. Je plie l'exercice, je m'agace et j'écourte. Et là... Je lis le jour et la nuit. La littérature, je parle, hein, pas les journaux. Je lui dis d'attendre, moi. Je commence à raconter au contrôleur des histoires, une histoire. Et le train avance. Et le train arrive à la station suivante. Et le détenu descend du train. Il me regarde par la fenêtre. Il me dit avec son visage sympathique, « Cela va. C'est important, l'effraction. » Le premier livre qui a fait effraction, c'est la Bible de Gutenberg. Et s'il y a un seul livre qui devrait symboliser l'humanité, ça serait quoi? Dans un film, il y en a un qui tient à sauvegarder un seul livre, et c'est la Bible de Gutenberg. Et Gutenberg, je me souviens de mes cours, il a développé les casses pour l'imprimerie, et la première littérature a été désacralisée et démocratisée. Alors, je trouve que c'est bien, Gutenberg, c'est un bon choix, en dehors de l'aspect religieux. Je trouve ça sympa que le paysan puisse accéder à une Bible écrite par des moines. D'habitude, je les coupe. Je leur laisse pas le temps de faire les vieux beaux qui draguent. Mais aujourd'hui, celui-là, je sais pas pourquoi, je l'ai laissé tendre vers moi sa vie et j'ai écouté pendre ses discours de vieux sages. J'ai laissé un vieux monsieur me tenir la jambe pendant 20 minutes. C'est inhabituel. Par contre, j'ai lu un livre assez difficile et long. Et là, il a vraiment fait effraction dans ma vie. C'est la première femme nue, je ne sais plus qui c'est l'histoire. Ça se passe en Égypte, autrefois. C'est l'histoire, autrement dit, une geisha, autrement dit, une prostituée. Voilà. Bah, je ne suis pas à l'aise, ça me fait flipper de parler de moi. Qu'est-ce qui va? Je viens de recevoir un message de mon cousin. Cela va. D'être là. Je suis chez ma sœur, je découvre une ville et de parler de moi, je ne sais pas trop quoi dire exactement. J'adore, cela va. Me perdre dedans. J'avale les livres. J'aime les livres qui parlent de tout. Une effraction dans moi-même. Ça me rappelle l'oral du bac. C'était Arthur Rimbaud, le dormeur du Val, et j'ai eu 16. Et c'est marrant parce qu'il m'a apostrophée en me disant petit chaperon rouge, en m'appelant petit chaperon rouge. Et il était vraiment charmant, sympa, très très sympa. Une effraction à refaire, se laisser draguer par un vieux. J'étais tranquillement en train de lire Houellebecq. Bien en bas, ils ont interrompu la littérature par une autre littérature. Mais pour moi, elle est tout le temps là, les magazines, la pub, il y a des mots partout. Donc la littérature partout. Un message, c'est de la littérature. Elle est tout le temps là, tous les jours, dans ma vie. Ce qui fait le plus effraction dans ma vie, c'est la poésie. T'as pas un verre comme ça? Un verre d'eau à la limite. J'ai des choses à vous dire, mais je ne voudrais pas abuser aussi. J'habitais en banlieue avant. J'adorais voler des cerises, des vergers, les maisons plus ou moins abandonnées, vers Clamart par exemple. Et quel délice! Et il fallait escalader plus ou moins. Les cerises volées n'avaient pas le même goût que les cerises achetées aux prises uniques, pas du tout. Il faut commettre des effractions, se mêler des choses et des gens là où on n'est pas attendu, prendre la parole dans un espace pas dédié. Dans longtemps, dans très longtemps, et je ne préfère pas y penser en ce moment, je suis trop le présent, c'est une échéance trop lointaine, moi je suis déjà à la retraite. Haha, c'était quand la retraite, je devrais dire silence. Pour moi, hélas, il faut changer le temps du verbe. Alors quand on l'attend, c'est l'espoir de davantage de liberté, davantage de culture, davantage de lecture, de voyage quand on y est. Ah, on enlève son manteau, c'est tout cela bien sûr, mais aussi davantage de temps perdu. Et puis peu à peu, l'inquiétude de se dire combien de temps toutes ces belles choses vont durer, vont-elles durer? Alors le plus positif, c'est de vivre à fond l'expérience d'être grand-parent. Ça, c'est extraordinaire. Je suis grand-mère d'un seul petit-fils qui ensoleille ma vie. Je n'ai qu'un petit-fils, mais il ensoleille ma vie. C'est quand la retraite, ça se pose pas, ça. C'est quand la retraite. Si tu veux tout savoir, c'est dans longtemps. Pour moi, en tout cas, c'est rigolo. Je pense que c'est quand on se décide d'arrêter de faire des nouvelles choses, quand on est fatigué de vivre, qu'on décide qu'on a tout fait, tout vu. C'est ça, la retraite. Arrête d'apprendre. Pour moi, je le vois pas comme un temps de repos, c'est un temps d'arrêt. Peut-être que j'aurai jamais de retraite, sinon je vais m'ennuyer. Ça dépend de ce que je vais faire comme travail. Aussi, j'ai pas de travail. Qu'est-ce qui va? Comment? Sans doute, je pense, oui. Il manque un mot. Il y a une absence de trop de mots. Moi, je vais de temps en temps. Je vais, c'est sûr, je vais. C'est sûr, j'étais en train d'attendre mon ami. Il y a des gens qui sont venus me chercher. Je suis plus, mais je vais, c'est sûr. Il va falloir que je la rejoigne, mais là, cela va. Mon effraction, c'est une effraction du quotidien. Mon effraction, c'est tout laisser tomber chez moi pour venir ici. C'est une effraction du quotidien. Une effraction au quotidien. Enfin, c'est pas vraiment une effraction, mais je dis des petites choses, des pensées, 2, 3, et vous travaillez. Vous imaginez-vous ce que je laisse tomber. Vous collectez, vous collectionnez. Moi, je laisse tomber mes idées comme les fruits du panier ou comme des bouts d'histoire qui frôlent l'intimité, comme je suis préoccupée. Non, pas que par le virus, ça c'est un peu idiot, aussi des bouts de famille comme un petit-fils en études et le voyage de ma petite-fille et puis quoi d'autre, je ne sais pas. Je dis la politique comme une question, la politique ? Souvent, je dis comme des questions les choses qui tournent en boucle, comme pour dire que c'est la première fois ou que ce n'est pas grave. C'est-à-dire, plus précisément, l'écologie, on va dire. C'est pas nouveau chez moi, ça fait très longtemps, mais disons que c'est à l'ordre du jour. Voilà. Pas autre chose, voilà. Rien d'autre. Mon fils y est à Singapour. Ma fille me propose une expo, je pourrais rester tard. Ça fait beaucoup. Salman Rushdie, je l'ai acheté, mais je ne l'ai pas lu. Mes parents sont musulmans. Je suis d'origine musulmane. Alors ça, c'est déjà une effraction. C'est un acte de liberté. Avoir des livres, tenir des livres, liberté de penser et surtout liberté d'aimer, voilà. Tout va bien, je suis en bonne santé, ma famille. Quoi d'autre? Je mange une soupe de tomates qui me fait beaucoup de bien. Et quand tout va, c'est un problème? Non. C'est juste par quoi commencer? Mes filles, objectivement, eh bien, je lis un très joli livre. Je voudrais juste être sûre que c'est bien ça. Une pensée positive peut changer votre vie. Ça fait beaucoup rire les gens. J'ai dû faire une séance d'hypnose et le praticien m'a recommandé se développer. Et je trouve que c'est parfois, et ça peut, au final, on a envie de le faire parce que nous avons envie d'être heureux. Ça vaut le coup de voir. Si en se mettant à se dire que tout va, en tout cas moi j'ai envie d'aller vers ce qui va, j'ai pas envie de le dire parce que j'ai pas envie de dire l'autre question. Cela va. On va voir si ça tient le coup sur la longueur. On sait pas trop combien de temps ça va durer. L'arrivée d'un bébé va nous amener. Je peux lire de la littérature quand la personne n'a pas voulu en écrire. J'ai changé par dépit, je ne pouvais pas en vivre. Ça a été une grosse déception, mais les amours frustrés restent dans un coin de la tête. Je parlais d'images et de sons par rapport à la littérature. Je l'associe toujours à la beauté. Laissez la beauté vous toucher. L'image, le fait, la littérature aussi. L'entre-deux lignes, rester les yeux collés dessus, derrière un autre sens, c'est immense, c'est un orgasme, c'est plus fort que ça. Je ne suis pas psycho, je suis prête à mentir. Je suis très honnête, je n'ai pas d'effraction. À l'autre question, celle qu'on ne veut pas se poser, et voir que cela va, le deuxième bébé. C'est dans ma vie, je la challenge, la question. Effraction étrangère. Donc ça veut dire quoi? Une histoire d'amour. Et c'est la même. C'est moi qui choisis mon effraction. Ma question donc, celle qui vient perturber mon quotidien. Enfin, vous qui venez perturber mon quotidien avec votre question, celle qui me fait lever les yeux de mon livre, de mon rire, de mon Welbeck qui me parle, je ris encore. Qu'est-ce qui me préoccupe? Plein de trucs, beaucoup, beaucoup trop de trucs. Les deux personnes qui sont venues me chercher dans le hall, déjà, j'y étais tranquillement. Enfin, en fait, il y a plusieurs couches, mais elles sont cohérentes. Je veux dire, là, c'est n'importe quoi. Vous me déstabilisez de la souffrance de la vie normale. Et qu'est-ce que vous essayez de me dire? Qu'il faut souffrir? J'étais en couple. Et il y a une personne qui est rentrée dans ma vie, de manière un peu illégale, mais respectueuse. Il s'est passé des moments où ça allait pas du tout. Mais maintenant, ça va. Il y a tout qui va, c'est ça. Votre truc... En vrai, c'est dur. La vie va. C'est pas tout, mais le musée, ça va. La culture, ça va. Paris, ça va. Les vacances, les effractions, ça va. La littérature, ça va. Bon, l'inspiration, ça va bof. Parler de soi sans rien, c'est parce qu'il n'y a pas de contexte. C'est une question, au moins, ça va. Un mot, ça aurait été pire. Ce dispositif va aller dans mon annexe de mémoire sur le spectateur. Merci aux deux personnes qui ont interrompu Michel Houellebecq en train de me parler. Il faut commettre des effractions, se mêler des choses et des gens là où on n'est pas attendu, prendre la parole dans un espace pas dédié. Je rentre dans le métro, j'hésite. Le gars se met à crier, taper sur la vitre comme ça. Agitée, je me suis dit, je vais descendre. Une jeune fille qui téléphonait s'éloigne, un peu comme ça, un débit très rapide. Le type parle, et il fait comme ça avec son bras. Et là, le type parle. Je ne dis rien. Oh là là, celle-là, oula, ah ouais, celle-là, bon, c'est pas, ah là là, celle-là, je sais pas, c'est pas facile, ça. Qu'est-ce qui me préoccupe en ce moment? Rien. Rien me préoccupe en ce moment. Je sais pas quoi répondre à ces deux-là. Elles sont compliquées parce que je pourrais donner des bonnes réponses, dire des grandes choses qui inspirent, mais là, oh là là. Ce qui me préoccupe, c'est banal. Il fait moche. Il pleut, j'ai de la visite ce week-end et justement, il fait moche, il pleut et ils ne vont pas me croire heureuse, ils vont voir la grisaille, pas mon Paris, le Paris que je connais et qui m'ensoleille quand même souvent. Ça me préoccupe un peu que ça ne s'améliore pas la météo. Je ne voudrais pas qu'ils s'inquiètent. Je dis, vous avez raison. Il parle des gens qui ne votent pas et qui voudraient voter. Il parle d'Europe. Il a des propos assez intéressants. Je ne dis rien. Je ne dis rien. Et j'ai été content de cette effraction contre les gens. Normalement, on ne parle pas à quelqu'un comme ça, qu'on écoute. Vive les fous. C'est lui qui parle. Qui parle. Ce type était un peu dérangé. Effraction nécessaire. Et ça m'a plu. Il m'a à peine salué pour me dire au revoir. Voilà, je pense juste à un autre truc en fait, parce qu'en fait je sors d'un fast-food, d'un petit resto, de la resto rapide, et je pense à la notion du dictat, aux choses qu'on doit faire, aux choses qu'on doit faire. Et dans ce petit resto, on nous demande de trier, de mettre le papier avec le papier, le carton avec le carton, l'aluminium. Et si quelqu'un se trompe? Qu'est-ce qui va arriver? Et c'est devenu comme un truc qu'il faut faire. Mettre je sais plus quoi avec je sais plus quoi. Pas une loi, mais un truc qu'il faut faire. Et maintenant qu'on est gêné quand on se trompe, c'est quoi? C'est quel genre d'élasticité? C'est mettre l'alu dans le papier, presque une effraction? C'est important de trier. Mais ça fait réfléchir à ce qu'on se sent de faire, ce qu'on se sent pas de faire. Personne derrière moi. Heureusement qu'il n'y a pas de queue. Il m'a à peine salué pour me dire au revoir. J'aurais été plus loin dans l'effraction. Moi, je l'aurais invité à boire un verre. Effraction, ça peut bien aller, ça peut bien se passer. Est-ce que ça a changé ? En termes d'intensité, en termes de tout. Il me photographie, cela va, il s'assoit. Elle se frotte les mains. Elle a lu les messages sur le mur. Elle ne sait pas, elle reste silencieuse. Son, bruit, boucan, bruyant. Qu'est-ce qui va être ici? Toute mon enfance, mon père me disait, pour se marrer, soi-disant, mon père me disait, quand il n'arrivait pas, Quand il n'arrivait pas à faire quelque chose, il disait « T'as un petit cul, mais je t'aurai. » Je comprenais pas bien. Je voyais pas le lien. Ou je comprenais trop le lien. 75 ans. Aujourd'hui, il a 75 ans. Il vient de me révéler. Toute son enfance, il a été violé. Effraction d'actualité. Tout va bien. Je suis en bonne santé. Ma famille. Non, j'étais en train de dire que ce moment-là, ça, c'est un moment d'effraction, ça. Un moment auquel on ne s'attend pas, c'est le début de l'effraction. Moi, je crois qu'il en faudrait vraiment plus d'effraction. J'ai vu des gens qui n'étaient pas contents dans le métro parce qu'il y avait des Roumains qui jouaient de la musique et qui jouaient fort et qui jouaient mal. je me suis demandé ce qui pourrait se passer si le jour, il n'y en avait plus. S'il n'y en avait plus qui nous dérangeait un peu, vous savez, ou beaucoup. Parce que les gens, quand tout va bien, ils n'arrivent pas à parler de ce qui va bien. Heureusement qu'il y a des gens qui se mettent en effraction, ça permet aux gens de parler, de faire un peu de lien. Sans effraction, tout serait lisse, presque inutile. On ne saurait pas quoi dire. On ne saurait pas contre quoi se mettre en colère. Il y a des gens qui sont complètement réfractaires à l'effraction. Pourtant, ça fait quand même du bien un peu l'effraction, quoi. Mais même si on ne la montre pas, l'effraction, elle n'a pas besoin d'être grande, elle n'a pas besoin d'être grandiloquente. Juste un peu. Il ne s'agit pas de faire un braquage. Même si ça doit être bien de faire un braquage quand même. Une fois. Un beau braquage. Mais si on n'est pas capable de faire ça, si on n'est pas capable de piquer 3-4 biscuits dans un supermarché, ou même, tiens, croquer dans une pomme, je crois qu'on a presque le droit, parce que l'effraction, on peut être au bord aussi, ça vaut le coup d'être au bord de l'effraction. Où la loi peut rien contre soi, elle peut rien contre vous, au bord comme ça. Il y a des gens, toute leur vie, ils hésitent. J'y vais pas, je le fais pas. L'effraction, c'est comme on veut. Elle peut être grande. Elle peut même être élégante parfois. Elle peut même être intérieure. Vous savez, le mauvais rêve, la mauvaise pensée, au mauvais moment, le mauvais regard, le mauvais clignement d'œil à la bonne ou à la mauvaise personne. Ce qu'on devrait faire, puisqu'il y a la journée de la femme, il y a la journée des grands-mères, puisqu'il y a la journée de la fête des voisins, il faudrait faire la journée de l'effraction. Ça mettrait notre imaginaire en action. La journée de l'effraction. Partout, dans tout le pays. Oh ben c'est sûr que pour certains, ce ne serait pas compliqué. Ils la font tout le temps. Même ils la font les yeux dans les yeux. Même parfois en bouffant du homard. Pour eux, ce serait facile. Ce serait facile. Mais moi, ce que j'aimerais, c'est que Madame Michu, celle qui fait du tricot, tous les jours, en regardant les jeux de 20 heures, elle arrête. Rien qu'un jour. Rien que pour voir. Est-ce que quelqu'un, ici, souhaite prendre la parole pour parler de la question de l'effraction? Oui? Merci, je me mets là. Mais oui, effraction comme définition de ma tristesse. Effraction comme envie de mon cœur de vivre les instants inoubliables de ma vie. Comme le soleil chaque jour perce la brume, comme la lune de temps en temps nous sourit. Effraction, comme un silence qui vient doper mon cœur. Dans cet univers où le brouillard reste la seule marque. Effraction, comme pour signifier que mon existence n'est qu'une loque sur cette terre. Effraction, d'un instant grave, d'une histoire grave, d'une main tendue pour faire la lumière dans cette nuit qui parle, dans cette nuit qui sait mais qui ne veut rien dire, dans cette nuit qui nous embrouille de sa voile totalement noire. Effraction, comme une lueur pour dire que je ne suis pas perdu, que je retrouve mon chemin dans ce labyrinthe, que je retrouve ma vie sur cette terre en rayon. Effraction pour dire que j'existe. Merci. S'il y a quelqu'un d'autre qui a envie de dire un ou deux mots, effraction ou cela va ou ce qui vous préoccupe en ce moment, peut-être. Sinon, j'en profite pour vous dire aussi que derrière, sur la table, bah, y a tout un tas de petits flyers et de petits papiers qui parlent de art en grève et de art en lutte. Et c'est pour ça qu'on vous a lu tous ces noms de métiers au début. Ah, tu veux dire quelque chose? Oui. Bonjour. Voilà. Mais après, on peut poursuivre. Alors, est-ce qu'il faut qu'il y ait des rimes ou non? Pas forcément. Ben, bonjour tout le monde. Je suis très content d'être ici. Et je pense que la... tout ce qui est de l'oralité, de toute façon, ça fait toujours, toujours plaisir... De pouvoir jouer avec les mots sans papier, en fait. Juste avec notre corps. Et de pouvoir faire face comme ça aux gens. Et quand on dit faire face, ça fait tout de suite un peu combat, alors que non, pas forcément. Juste, on fait face. Et... Bon, j'ai trouvé ce festival par hasard, et, parce que j'étais à la bibliothèque, puis j'ai vu qu'il y avait quelque chose au niveau -1, et ça me fait bien plaisir. Alors, pour tout vous dire, je reviens d'un enterrement ce matin de mon grand-père, alors ça fait un peu lourd dit comme ça, mais... en fait, bon, il était très âgé et tout. Et j'ai envie de un peu relâcher la pression, parce que c'était très solennel, c'était une messe catholique, ça fait partie du jeu aussi. Mais après, j'aime bien un peu relâcher ça, vous en parler. Pas que ça reste que dans la famille... Et que ça s'étouffe un peu, que la tristesse s'étouffe un peu. Et donc voilà, ça me fait plaisir de parler de ça. Et voilà, hein, j'ai pas plus... Est-ce que quelqu'un voudrait poursuivre là-dessus sur le plaisir de ne pas étouffer la tristesse? Non, c'est peut-être... pas très bien dit. Ouais. Bonjour. Moi, je suis entrée pas par effraction, mais par curiosité. Et puis là, sur le plaisir que ça fait de pas étouffer la tristesse, je voudrais aussi le bien que ça fait de pas étouffer la rage. Et... Moi, on est entré par effraction dans ma tête des voix qui prennent le pouvoir. Et on pourrait écrire des textes, mais cette effraction dans la tête, dans le corps, on dit souvent qu'à l'origine, c'est une effraction profonde, sexuelle, souvent. Donc moi, je ne me souviens pas du tout. Mais l'effraction qui détruit la personne, elle est vraiment assez... Elle est très partagée, finalement. Et ça arrive à n'importe qui. Et donc, c'est bien d'avoir des moments comme ça pour partager... un peu des rages, c'est des rages qui n'arrivent pas à s'exprimer et à pouvoir créer autre chose, en fait, de créer autre chose. Voilà. C'est juste comme tu parlais, tu demandais si quelqu'un voulait poursuivre. Moi, je me demande simplement si la mort, c'est pas une sortie par effraction. Je me demande. Merci, merci. Donc, juste pour... est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui voudrait peut-être dire un mot sur Solava, ce qui vous préoccupe en ce moment? Peut-être pas. Du coup, en fait, on a aussi affiché sur le mur des réponses à la question de l'effraction. C'est des réponses qui ont été envoyées à travers l'Instagram. Et du coup, vous pouvez aussi aller les lire et on peut aussi en lire certains. Je pense que ça peut être pas mal qu'on en lise certains. Donc du coup, il y a notamment effraction, je suis concernée. Ou bien... Effraction, c'est un film avec Nicolas Cage et Nicole Kidman. Effraction, le cancer. Effraction, forcer les gens à être ce qu'ils ne sont pas. Et effraction, quand les gens te parlent trop près. Effraction, c'est compliqué. Espionnage. Enfin voilà, du coup... je vous laisse aussi aller regarder tous ces mots. Et puis, du coup, si vous êtes intéressé de savoir pourquoi art en grève et pourquoi art en lutte, il y a aussi des papiers qui disent tout ça sur la table du fond. Et vous pouvez jeter un œil si vous voulez. Et un dernier mot, du coup, puisqu'on parle de ce qui est accroché au mur, il y a aussi, ici à gauche de ce mur-ci, et là sur le mur derrière moi, enfin derrière la scène, on a le produit ou l'œuvre collective des personnes qui ont participé à notre atelier Cut Up hier, pour lequel on avait prédécoupé des mots et des groupes de mots, mais surtout des mots, dans des journaux et des magazines. Et donc pendant une heure, toutes les personnes qui le souhaitaient ont pu créer des phrases et les accrocher au mur. Et il y a des super trouvailles de ce côté-là aussi, donc n'hésitez pas à regarder ça aussi. Du coup, vous saurez d'où ça vient quand vous tomberez sur les phrases. Voilà. Merci beaucoup. Ah oui, c'est laquelle? Avec qui tu veux que je... Ah, d'accord. Ah oui, ok. Oui, et donc, comme on finit plus ou moins à l'heure et que c'est suivi par une rencontre dans l'autre salle, vous pouvez évidemment venir regarder tout ce qu'il y a au mur après la rencontre, histoire de pouvoir profiter de toute la programmation. Voilà. Merci beaucoup.